C'est le début de la rentrée universitaire en Côte d'Ivoire. Ici, à l'université méthodiste dans la commune de Cocody, étudiants et enseignants de l'établissement ne se sont pas fait prier pour ce premier jour d'école. Comme vous le voyez, les cours ont bel et bien débuté, allumés ici. Les étudiants nous arrivent, pour certains un peu timides, d'autres sont contents. Et nous allons faire notre effort pour que, jusqu'à la fin de l'année, chacun puisse améliorer son niveau d'expression, tant à l'oral qu'à l'écrit. Pour ce premier jour de classe à l'université méthodiste, les étudiants étaient présents en grand nombre. Le constat est le même à l'université privée HEC Abidjan. Je suis contente d'être avec mes amis et j'espère que cette année va bien se passer et qu'on obtiendra notre diplôme avec succès. Et principalement pour cette rentrée universitaire 2021-2022, l'accent sera mis sur le civisme, sur la discipline, sur le civisme pour faire connaître nos valeurs, les valeurs, le respect de la patrie à tous les étudiants. Si les étudiants et les professeurs ont envahi les salles de classe des deux premières écoles, le constat est différent au groupe ESCAB. Les étudiants de cette grande école traînent encore les pas, comme on peut le constater sur ces images de classe à moitié vides. Toutefois, le directeur des études de cette grande école garantit la reprise des cours au sein de son établissement. C'est vrai que c'est un peu lent, mais les élèves arrivent à coup de pas. C'est-à-dire que tout doucement, nous commençons la rentrée. Les cours viennent de commencer aujourd'hui. On espère avoir plusieurs inscrits jusqu'en fin d'année pour atteindre notre objectif. L'année universitaire 2021-2022 est subdivisée en deux phases. Le premier semestre part du 18 octobre au 12 février 2022 et le second semestre du 21 février au 18 juin 2022.